Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous choisissez chaîne ça pour apprendre ou bien pour réapprendre ou bien pour connaître bien recette haïtienne. Non pas M. Gaspard Dorélien. Je remercie tout le monde qui est abonné à la chaîne, là, tout le monde qui commentait, qui likait et l'autre vidéo nous. Nous disons merci en pile. Et aujourd'hui, nous allons présenter une recette spéciale, un produit, un légume. Nous pas imaginer son produit miracle, yon légume tout terrain. Nous pral réaliser jodia yon sauce kalalou avec viande bœuf. Mais kalalou, c'est un produit miracle. Seul kalalou, il y a vitamine C, il y a vitamine A, il y a vitamine K, il y a manganèse, il y a calcium, il y a cuivre, il y a fer. Et ça qui est important qu'on y a là, surtout pour période là, li stimuler système immunitaire là. Et il y a fibres alimentaires là dedans tout. Donc kalalou son produit miracle. Si tu qu'on néglige manger kalalou ou bien pas très mal, quoi me souvle gain intérêt soit aller vers kalalou, soit manger kalalou. Li bon pour corps en pile en pile en pile. Donc jodia nous pas réaliser une sauce kalalou avec viande bœuf. Donc, rete, nous allons présenter ensemble les ingrédients que vous avez besoin pour réaliser. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment pour faire ça. Merci parce que vous êtes abonné. Pour réaliser cette sauce kalalou avec viande bœuf là, mes ingrédients ont besoin. Pour commencer, on a besoin de viande bœuf. Alors moi-même, j'ai nettoyé nettoyer viande bœuf là déjà, mettre le tremper avec épices haïtiennes. Si vous avez besoin de comment pour faire épices haïtiennes, regardez, cliquez sur le lien ça qui être la kounia là, on va apprendre faire épices haïtiennes. C'est dans épices à la tremper là depuis une heure de temps. Ou besoin kalalou. Alors kalalou on doit couper petite tête là avec petite pointe que seulement. Donc comme ça le pas sorti glisser. Moi-même personnellement, m'aimer les kalalou et glisser en pile dans sauce ça. M'aimer les écraser dans sauce ça. Ça fait et chaque grain kalalou yo, me couper yo en 2 3 morceaux, me couper yo comme ça. Mais ou même on pas obligé couper le comme ça, on pas obligé gagner glisser sous pas même glisser. Pour bailler sauce tout en couleur, n'a pas utilisé tomate. Nous avons un tomate et demi là nous racheter. Nous avons besoin d'un demi-citron pour nous mettre comme acide. Mais si vous voulez, on va ajouter vinaigre sur le citron. Nous avons besoin d'un piment poché. Piment poché, c'est un piment ou piqué clou girofle la dedans. Et puis, nous avons besoin d'autres grains de piment qui piquent. Piment poché, il n'est pas piqué lui-même. Mais piment orange, il est piqué. Donc, nous avons bouilli dans ce sens-là tout. On a besoin d'un bouquet garni. Un bouquet garni fait avec thym et puis coriandre. Soit un coriandre, donc on a toujours utilisé persil. Persil à coriandre, c'est presque même bagarre là, mais coriandre est plus fort en goût et il y a une odeur qui est plus intéressante toujours. On a besoin d'un morceau magui, alors, ou bien cube bouillon. Je me rappelle que cube bouillon, ça, c'est nous qui faisons son cube bouillon qui n'a pas aucun produit chimique là-dedans. Sous envie qu'on comment pour faire propre cube bouillon bien magui ou qui n'a pas aucun produit chimique qui n'a pas trop sel ni trop graisse, cliquez sur le lien, ça peut être la kounia là pour regarder comment vous pouvez réaliser propre magui ou bien propre cube bouillon, même bon cube bouillon à saveur poulet. Si je voulais, je peux faire le tout avec saveur bœuf ou bien fruits de mer ou bien écrevisse, etc. Mais le bouillon que j'ai réalisé, il est fait à saveur et poulet. On a besoin d'une demi-tasse d'huile pour nous faire sauce là. On a utilisé tout pour faire sauce là. Des cuillères à table d'épices haïtiennes, épices haïtiennes que nous réalisons. Je vais appeler une sous-chaîne ça au cas apprendre à faire épices haïtiennes. Sous aller chercher vidéo. On a besoin de poudre gingembre. Là, il est optionnel. C'est en fonction de goût, d'épices ou aimé. Moi, j'aime gingembre.
Donc ma petite gingembre, on a besoin d'une demi-cuillère poivre tout en poudre, une cuillère paprika et on a besoin tout poudre sous tes vlots qu'a utilisé gousse l'ail là tout. Donc sous pas gain l'ail en poudre, qu'a toujours utilisé l'ail en gousse là. Voilà, c'est ensemble ingrédients ça yo a besoin pour réaliser sauce kalalou avec viande bœuf là. Donc restez branché, nous va passer kounya là dans exécution recette là. OK, nous t'ai allumé du feu nous pour casserole là chauffer. Kounya là non, n'a juste ajouter l'huile là. OK, pour exercer ça nous prend une demi tasse d'huile. Kounya là, n'a juste ajouter viande nous gain que t'a trempé là depuis près d'une heure de temps. On va ajouter un petit sauce tout petit. Et puis, songez que viande bœuf, contrairement à viande cochon, viande poule, il prend un petit casse plus de temps pour le cuire. Donc, nous allons quitter là, tout faire. Fermer avec, mettre couverture sous lit. De temps en temps, on va garder, mais on va quitter là pendant une bonne dizaine de minutes. Après ça, on a boissé, regardez s'il commence bon pour continuer dans l'autre étape. Bon, viennons commencer pour une couleur. Mais ça, que je suis certain, il faut qu'on cuit. On va le rehausser avec un petit de l'eau qui était trempé là, liquide qui était trempé là. Et puis, nous rétouffer encore pour quitter le cuit. Ok. Nous ouvrons. L'engouvri là la sué et puis la permet de venir cuire plus vite. OK. Ouais. Je monte une belle couleur. Mais après c'est pas même besoin d'utiliser tomate, on va mettre la bonne couleur. Mais je monte une belle couleur. Mais comme pour ça on a besoin d'un petit genre bon petit couleur. Donc on va mettre tomate quand même. Donc là on va ajouter tomate là. Maintenant, on va juste ajouter de la loi. Maintenant, on va vider encore un petit sauce tout petit. Vérifier pendant près de 15 minutes. Nous allons pas quitter l'encore pour et combo là ou bien pour faire l'eau à bien cuite entre 10 à 12 minutes. Bien tout fait. Si vous ne voulez pas que la loue glisse, vous allez éviter de mettre la donne l'elfine cuite comme ça. Mais comme moi, je n'ai aucun problème à que la loue crase et glisse. Hein? Donc, je vais faire qui est j'en voulais. Donc là, je vais boire. Et puis, je vais estimer que la loue cuite assez. Et puis, viande a une belle couleur.
qu'on y a, m'a juste ajouté épices et puis de l'eau. Donc là m'a pas ajouté épices haïtiennes de gagné. Là c'est gingembre. Là c'est poivre là. M'a ajouté poivre en poudre là. Paprika. Paprika c'est optionnel, c'est souvlé. Et puis ensuite, qu'on a m'a ajouté l'ail en poudre moi. Et puis m'bral boisser le tout, bien mélanger pour épices me fait météo bien entrer dans la composition. M'a ajouté les sauces qui était trempé viande là. Passer de l'eau là-dedans, la même bol qui était trempé viande là. OK. Vider de l'eau pour ce soin. Qu'on y a m'a ajouté Maggi là. Après rappeler que Maggi ça c'est nous qui fait, c'est pas Maggi industriel qui gagne pile produit chimique là-dedans. Là on finit ajouter de l'eau qu'on a une camité bouquet garni noir. Piment poché a qui gagne clou de girofle là-dedans. Piment piqué a. Et puis nous va l'ajouter demi citron. OK, avec compressé citron m'a tirer jus citron. OK. Kounya la sauce noire fine bien bouillie, n'a pas ajouté un poivron avec oignon qui était trempé viande. À fond petit bois sur le tout petit. J'aime dire là, si ou pas vle kalalou la krasé, ou pas gen droit nan brasil. Lèl fin cuit comme ça. Comme moi-même, moi aimer lèl krasé a, j'en la gardé là. Donc, on ka permet moi brasil. Kounye bra goûter pour moi, est-ce que li mérite sel? Est-ce que li mérite on m'ajouter un petit épice? Bon c'est ligué à ses selles, tout bagay ok, donc bon c'est le bon, n'a pas éteint du feu nous. Voilà, sauce nous en pari. Voilà, ça c'est sauce kalalou, viande bœuf là, et n'a mangé avec yon du riz blanc, et puis sauce pois rouge. C'est pas moi qui t'ai préparé sauce là, il y a fait moun qui dé caméra qui t'ai préparé sauce pois. Donc mes du riz moi qui t'ai préparé. Donc nous pral vraiment prendre temps nous pour nous déguster un bon manger. M'a rappelé nous que nous gain intérêt manger kalalou parce que kalalou c'est un légume qui plein vitamines. M'a rappelé que kalalou gain vitamine C, il gain magnésium, il gain manganèse, il gain calcium, il gain fer, il gain fibres alimentaires et il booste système immunitaire. Donc c'est un vraiment un légume sous pâte sous bol, on met sous bol qu'on y a, sous pâte remel, chercher remel parce que la bon pour. Et nous besoin un système immunitaire qui fort surtout dans temps ça. Donc n'a remercier tout monde qui t'a gardé recette ça jusqu'à la fin, monde qui a abonné autour n'a remercier. Merci pour commentaire yo, merci pour like yo. Donc sous rete remel recette ça, n'a pas invité ba nou yon like avec un pouce en l'air. Sous pâte quoi abonner, abonner et puis et mettez notification on pour que les nous poster en prochaine vidéo ou recevoir notification pour que vous parmi premier monde qui garde nous. Donc n'a pas à bientôt pour l'autre recette haïtienne. Moi même je vais manger pendant ce temps.